m'appelle Clara Filet, je suis en seconde année de doctorat à l'Université Paris 1 en archéologie et je travaille sur l'archéologie celtique. Donc, je m'intéresse à l'apparition de la ville dans l'Europe centrale et occidentale, non méditerranéenne. Donc, ça concerne en fait les trois derniers siècles avant Jésus-Christ. Donc, à cette période, on va voir l'apparition de grandes agglomérations qui vont concentrer un certain nombre d'activités qui n'étaient pas concentrées jusqu'à présent, donc des activités domestiques, des activités artisanales et également des activités politiques et religieuses. Des activités politiques donc, puisque ces sites vont servir de siège à des autorités pour des communautés beaucoup plus élargies et en fait on est en parallèle au développement des premiers États dans nos régions. Ce qui m'intéresse c'est de considérer la ville pas seulement comme un point sur une carte, mais la ville comme le centre pour plusieurs réseaux, donc pour plusieurs réseaux d'interaction entre différents établissements. Donc mon travail c'est d'abord d'essayer de retrouver tous les indices qui peuvent nous aider à retracer des interactions, donc des circulations d'objets qui se sont effectuées dans le passé, comme la circulation monétaire par exemple, puisqu'on a parallèlement ce développement de la ville et de l'État, l'apparition des premières monnaies. Donc je m'appuie pour ça sur les rapports de fouilles. Donc chaque fouille publie les données qui ont été retrouvées dans le cadre de ces fouilles. Et c'est à partir de ces publications donc, que je vais essayer de retrouver ces indices de connexion. Alors ces indices de connexion, ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, la circulation des amphores vinaires qui vont être produites en Italie ou en Espagne. Donc on produit le vin dans ces régions-là, on va produire également le contenant du vin qui est l'amphore. Ces amphores vont circuler jusque à l'intérieur de la Gaule celtique pour être acheminées dans les lieux où le vin va être consommé. Donc ensuite, le contenant, l'amphore, va être abandonné généralement sur place et c'est ce contenant que l'archéologue va retrouver. Donc je m'intéresse au mobilier, également à des indices, des informations que l'on connaît peut-être un peu plus par les textes, comme des relations entre certains de ces états ou les limites géographiques de ces premiers états archaïques. Donc ça, c'est pour retracer et reconstituer ces réseaux. Après, la question, c'est comment on les interroge. Pour ça, donc, je peux m'appuyer sur une collaboration qui a été mise en place avec le laboratoire de mathématiques appliquées de Paris 1. Grâce à l'aide de mes tuteurs mathématiciens, on va pouvoir modéliser ces réseaux et les interroger pour essayer de comprendre quels étaient les sites qui ont eu le plus d'impact dans l'organisation de ces réseaux et comment ces sites vont être plus actifs, plus attractifs dans ces réseaux d'approvisionnement et de redistribution et quel poids ils vont peser dans les relations à la fois au niveau local avec les fermes les plus proches comme avec les cultures et régions voisines, l'Italie, l'Espagne ou plus loin encore. Le travail il commence par un inventaire. On va essayer de répertorier sur la zone considérée et à la période qui nous intéresse, donc pour ma part entre le 4e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, dans le centre-est de la Gaule, tous les sites d'habitat groupés. Donc à partir de ces données-là, on a créé un modèle de coût, c'est-à-dire combien ça me coûte d'aller d'un site à l'autre par rapport à d'autres sites. L'importance de ces flux est restituée par l'épaisseur du trait. Et à partir de ce réseau-là, on va avoir certains sites qui vont ressortir comme étant particulièrement bien placés au sein de ce réseau de flux commerciaux. Les résultats de ce modèle, ils vont ensuite devoir être confrontés aux données archéologiques. On a recensé pour chaque habitat groupé tous les objets dont on sait qu'ils n'ont pas été produits sur place parce qu'ils proviennent d'ailleurs. Et on va essayer de voir si l'importance économique qu'on pouvait attendre a priori grâce au modèle, si les données archéologiques nous disaient la même chose, si effectivement c'était des sites qui recensaient un grand nombre d'objets provenant d'ailleurs et qui du coup montreraient qu'effectivement il y a eu beaucoup de marchandises qui ont transité par ce site. À l'aide de tous ces outils, issus à la fois du matériel archéologique et de la modélisation, on cherche à mieux comprendre un phénomène clé de notre histoire européenne, l'apparition de la ville.